je vais simplement te passer le shalom de Dieu, la paix de Dieu là où tu te trouves, sa présence. Je te souhaite sa présence encore pendant ces moments que nous allons passer ensemble. Je te souhaite sa paix, je te souhaite qu'il te soit favorable encore pendant ces moments. Je te souhaite qu'il se révèle encore à toi, qu'il parle à ton cœur. Je te souhaite qu'il t'apporte encore cette parole que tu attendais peut-être depuis un bon moment. Et pour cela, je vais simplement t'inviter à te disposer de là où tu te trouves. Je vais t'inviter aussi peut-être à prendre ta Bible, peut-être que tu es au travail, mais à mettre ton téléphone à proximité si jamais le Seigneur veut te donner une parole dans sa parole. À prendre peut-être ta Bible et à te disposer véritablement à entendre le Seigneur encore en ces moments. À le laisser te toucher encore, à laisser qu'il puisse se révéler à toi. À laisser encore qu'il puisse être encore épris de toi encore en ce moment. Oui, j'aimerais encore te dire simplement pour commencer que le Seigneur t'aime et qu'il désire encore être en communion avec toi dans ces moments. Il t'aime et il désire encore que tu puisses t'approcher de lui et que lui aussi en retour il puisse s'approcher de toi. Ah, j'ai envie de te dire, ces moments sont des moments en deux amoureux. Il s'agit de toi et de ton Dieu, des moments encore d'adoration, des temps encore où le Seigneur veut te parler, où il veut encore t'emmener plus loin avec lui dans l'atmosphère du prophétique. Alléluia, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te rencontrer, nous sommes là pour toi. Seigneur, merci pour ta présence. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence. Seigneur, c'est un privilège de me tenir là dans ce lieu secret, Seigneur, à l'abri des regards. Seigneur, c'est un privilège de me tenir encore dans ta présence. Seigneur, loin des regards des hommes pour encore pouvoir t'adorer. Seigneur, c'est un privilège encore d'être devant toi et de venir encore t'offrir un parfum d'adoration, un parfum de louange. Oh Seigneur, parfois nous sommes prompts à aller sur les réseaux et à commencer à écouter comment des autres personnes peuvent t'adorer. Mais lorsqu'il s'agit de nous, parfois nous faisons semblant d'être timides, nous ne savons plus quoi dire. Mais Seigneur, en ce moment, Père, non, nous n'allons pas nous centrer sur un homme qui lui est en train d'adorer. Mais moi, je viens t'adorer. Je choisis de t'adorer encore aujourd'hui. Seigneur, et je fais ce choix non seulement pour aujourd'hui, mais jusque dans l'éternité. Oh, chale brase maye kaya boche. Inalabache kerebe ikora bababa. Yenalaboche la maya si terebe ikara boche. Seigneur, je peux sentir ta présence en ce lieu. Je peux sentir ta présence, Seigneur. Au-delà, Seigneur, ô Dieu des occupations, ce temps est pour toi. Et dans ce moment, Seigneur, non, je crois, tu ne me prives pas de ta présence. Tu ne me prives pas de ta présence. Les bras des bocha des mayasi kerebe, ikaraboche terebe bebe bebe, inalabache keremaya naraboche, ibra des bosanta ya naraba, ayanere boche kete ikaraboche. Tu peux simplement commencer à l'adorer et il va saturer le lieu où tu te trouves de sa présence. Si tu l'adores, il viendra et il va siéger là où tu te trouves. Si tu l'adores en esprit et en vérité, il va venir et il va s'établir là où tu te trouves. Alors tu peux simplement l'adorer. Tu peux l'adorer, tu peux l'adorer, tu peux faire ce choix de l'adorer. Tu peux faire encore ce choix de l'adorer. Manse bra de boche. Inalabache kayare amasu bra de rebe indelebe. Yenalabosha de mayande rebe ikuraba. Yenalabasha de rebe kayare. Ibra de maya ndere bosha de maya suka teria de ma le brado sika ya dalaba. Ah Seigneur, moi j'ai envie de te dire, je n'ai envie d'être nulle part ailleurs si ce n'est dans ce lieu. Seigneur, bien plus qu'un bâtiment, mais dans ta présence.
Oh Seigneur, peut-être si on m'avait demandé, j'aurais dit non, j'ai autre chose à faire. Mais j'ai choisi d'être en ce lieu. Et alors que je m'y tiens, Seigneur, je ne désire être nulle part ailleurs que dans ta présence. Seigneur, mes yeux sont sur toi et je ne désire être nulle part ailleurs que ici dans ta présence. Yéna la boche la masse. Yéna la boche la yade. Yanta yade ma ya boche kerebe ikalabos. Alléluia. 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 La parole de Dieu nous dit dans Josué au chapitre 24, je vais lire tout le chapitre. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les responsables, les chefs, les juges et les officiers d'Israël. Et ils se placèrent devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple, voici ce que l'Éternel déclare, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Terah, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate. Et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai fait venir votre ancêtre Abraham d'au-delà de l'Euphrate. Je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan et j'ai multiplié ses descendants. Je lui ai donné pour fils Isaac, auquel j'ai donné Jacob et Ésaü. À ce dernier, j'ai attribué en propriété la région montagneuse de Séir. Et Jacob et ses fils se sont rendus en Égypte. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron. J'ai infligé à l'Égypte divers fléaux pour tout ce que j'ai fait au milieu, par tout ce que j'ai fait au milieu d'elle. Après quoi, je vous en ai fait sortir. Après que j'ai fait sortir vos ancêtres d'Égypte, ils sont arrivés à la mer des roseaux. Mais les Égyptiens les ont poursuivis jusque-là avec des chars et des cavaliers. Alors ils m'ont imploré et j'ai interposé un écran de ténèbres entre votre peuple et les Égyptiens. Puis l'eau est revenue sur ces derniers et les a submergés. Vous avez vu de vos yeux ce que j'ai fait aux Égyptiens. Après cela, vous êtes restés pendant très longtemps dans le désert. Ensuite, je vous ai fait pénétrer dans le pays des Amoréens établis à l'est du Jourdain. Ils vous ont combattu, mais je vous ai donné la victoire sur eux. Et vous avez pris possession de leur pays, car je les ai détruits devant vous. Le roi de Moab, Balak, fils de Tippor, a également entrepris de faire la guerre à votre peuple. Il a appelé Balaam, fils de Béor, pour qu'il vienne vous maudire. Mais j'ai refusé d'écouter Balaam, qui a dû au contraire vous maudire. Et je vous ai délivré de lui. Au verset 11, vous avez traversé le Jourdain et vous êtes arrivé à Jéricho. Les habitants de cette ville ont combattu contre vous. Je vous ai donné la victoire sur eux. De même que sur les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites, les Girgassiens, les Éviens et les Yébusiens. J'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés devant vous, comme je l'avais fait pour les deux rois des Amoréens. Ainsi, ce ne sont ni vos épées, ni vos arcs qui vous ont donné la victoire. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas bâties, et où vous êtes installés. Des vignobles et des oliviers que vous n'aviez pas plantés, mais dont vous mangez les fruits. Au verset 14, Josué dit, « Maintenant donc, dit Josué, craignez l'Éternel. » Et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel dieu vous voulez rendre un culte, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou des Amoréens, dont vous habitez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous adorons l'Éternel. Au verset 16, le peuple répondit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux, car c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir, nous et nos ancêtres d'Égypte, le pays où nous étions esclaves. Il a accompli sous nos yeux des signes extraordinaires. Il nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est l'Éternel qui a chassé devant nous tous ces peuples
et en particulier les Amoréens qui habitaient la contrée. Oui, nous aussi, nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. Alors Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal après vous avoir fait tant de bien. Il vous consumera. Le peuple répondit au verset 21. Non, répondit le peuple, c'est bien l'Éternel que nous voulons adorer. Josué reprit, vous êtes vous-même témoin contre vous, que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour l'adorer. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Dans ce cas, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit, nous adorons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons. Amen. Alors, est-ce que de là où tu te trouves, tu peux l'adorer? Tu peux faire le choix de l'adorer aujourd'hui? Tu peux faire le choix de l'adorer lui seul aujourd'hui? Si peut-être dans ta vie, il y a encore des idoles, il y a peut-être des péchés qui tiennent encore, des choses que tu n'arrives pas encore à abandonner. Aujourd'hui, fais le choix d'adorer l'Éternel. Aujourd'hui, fais le choix d'abandonner ces idoles, d'abandonner ces péchés et de l'adorer encore. Dieu de gloire.
Avec toi, oh, un moment dans ta
ma vie, une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Est-ce que tu peux invoquer Emmanuel? Ta présence fleurit, car tu sais restaurer ma nuée. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Yeah.
Seigneur, en ce moment, je fais ce pourquoi tu m'as créé. Seigneur, en ce moment, Seigneur, je ne fais que ce pourquoi j'ai été créé. Adorer le roi des rois. Adorer le Seigneur des seigneurs. Adorer celui qui est mort et ressuscité le troisième jour. Adorer celui qui siège sur un trône élevé. Le Dieu qui remplit les cieux. Le Dieu qui remplit les cieux. Oh, en ce moment, je ne fais que ça. Seigneur, je ne désire que ça. Seigneur, t'adorer encore dans un instant. T'adorer encore en un moment. T'adorer encore, Seigneur. Oh, le Dieu que j'adore. Le Dieu que j'adore, Mon cœur disposé,
sang déversé, nous sommes assoiffés. Nous assoiffés. Ce lieu, la perte de sang s'est arrêtée. Les choses changent, les fardeaux tombent. C'est ce qui se passe dans ta présence. Le pan de ta robe remplit ce lieu. La perte de sang s'est arrêtée. Et je crie Yeshua. Yeshua. Seigneur, du livre de la loi, non. Il dit qu'il
ne s'agissait pas des sacrifices. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Ah, mais tu m'as formé un corps. Alors je viens. Je viens et je m'offre à toi. Est-ce que tu peux dire à Dieu en ce moment, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Ah, mais dans le livre saint, il s'agissait de moi. Il s'agissait de moi et tu m'as formé un corps et je suis venu. Alors je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Et bacha des bras de maïe, kaya boche. Je me donne.
colocataire qui était en train de vaquer à autre chose. Et tu as mis ce temps à part. Tu as mis ce temps à part. Et dans ta chambre, je peux te voir. Tu danses pour Dieu. Ah, et j'ai envie de te dire, cette danse n'est tout autre que ton sacrifice. Cette danse représente ce que tu es en train d'abandonner. Ah, et je peux voir une autre personne qui danse aussi. Mais pour toi, tu as mal dans ton corps. Et tu danses pour Dieu. Et dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je veux danser encore pour toi. Je veux danser encore pour toi, mais j'ai mal. J'ai mal lorsque je bouge, j'ai mal. Mon corps entier me fait mal. Demande, est-ce que tu peux me guérir, Seigneur? Est-ce que tu peux le faire? Pour que je puisse encore danser pour toi. Il te dit, ta danse est l'expression de ton renoncement. Il dit, aujourd'hui, tu renonces à être dépendant de ton corps. Il dit, aujourd'hui, tu renonces au fait, oh, de pouvoir servir lorsque tu vas bien physiquement et de décider d'arrêter lorsque tu vas mal physiquement. Il dit, si tu continues de danser, c'est que tu renonces à ton corps. Tu renonces à t'appuyer sur une bonne santé que lui te donne. Il dit, tu renonces à t'appuyer sur cette bonne santé. Il dit, non, tu as beaucoup passé le temps dans des régimes, dans des médicaments, à prendre des rendez-vous chez le médecin. Il dit, aujourd'hui, tu apprendras à t'appuyer seulement sur moi. Et tu réaliseras que si tu marches, c'est moi qui te fais marcher. Si tu parles, si tu peux bouger, oh, si tu peux danser. Ah, bien-aimé, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Dieu vivant. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Oh. Un parfum qui sent, un parfum, parfum, mélodie, coulant de tout.
veux pas déjà partir de ce lieu. Je ne veux pas déjà m'en aller. Je ne veux pas déjà retourner à Paquet, à mes occupations. Je ne veux pas déjà m'en aller. Je ne veux pas déjà quitter ce lieu. Non, je n'ai pas encore puisé tout ce que je dois puiser dans ce lieu d'adoration. Non, je n'ai pas encore puisé tout ce que je dois puiser dans ce lieu d'adoration. Tu peux prier encore.
Est-ce que tu peux prier encore ton Dieu? Est-ce que tu peux prier encore? Alors que tu l'as adoré, oui, tu peux prier. Tu peux prier encore. Tu peux prier encore. Alors que tu es en train de l'adorer, il t'est favorable. Tu peux prier encore. Alors que tu es en train de l'adorer, il t'est favorable. Tu peux prier encore. Oh, je vois une mère qui a dans le cœur est tellement affectée par l'état de ses enfants. Tu peux prier à Dieu en ce moment. Tu peux crier à ton Dieu en ce moment. Oh, alors que tu es en train de l'adorer, tu peux prier. L'Éternel t'est favorable. Il dit, il t'est favorable. Ah, et comme Israël, alors qu'il entend tes cris, il dit, il descendra lui-même. Il dit, il descendra lui-même pour délivrer tes enfants. Il dit, il descendra lui-même pour les rétablir dans leur position. Oh, comme celle qui était au commencement. Oh, celle d'enfant de Dieu. Ah, j'ai envie de dire, Seigneur, tu avais dit, nous sommes des dieux. Seigneur, tu les rétablis. Tu descends toi-même et tu les rétablis. Tu descends toi-même et tu les rétablis. Oh, l'Éternel descend lui-même et il les rétablit. Oh, Shanda Brosi, Kerebei Karabababa. Yenarabo, Shanda Laba, Sekerebei Korabababa. Ah, je peux voir une autre mère et qui se dit, je vois mes enfants sombrer dans les mêmes péchés que mes pères. Je vois mes enfants sombrer dans les mêmes péchés que leurs pères. Oh, mais l'Éternel dit, non. Si les pères ont mangé les raisins secs, les dents des enfants ne seront point agacées. Oh, il dit, il descend lui-même et il délivre. Il descend lui-même et il délivre. Oh, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, celui en qui tu as placé ton espérance, le Dieu de ton salut. Oh, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Oh, chale blase ma été. Quebra de boche ma été. Ah, je peux voir cette sœur. Tu as des frères et sœurs et tous les matins tu te lèves. Oh, lorsqu'il y a la prière pour les familles, tu es là. Lorsque l'on prie pour la famille, tu es là. Seigneur, oui, je te vois même, tu as offert un sacrifice. Tu as offert un sacrifice, tu as fait un vœu à l'Éternel pour le salut de ta famille. Il dit, l'Éternel, le Dieu de ton salut, oh, il t'est favorable. Il t'est favorable. Il t'est favorable. Oh, il t'est favorable. Oh, moi, l'Éternel, je te suis favorable. Moi, l'Éternel, je te suis favorable. Oh, 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 oh. Et dans la bouche, à l'ébrasé maïté. Et dans la bouche, carabababa, y'a dans la bouche. Alors tu peux te mettre à prier en langue. Si les mots ne sont pas suffisants, tu peux prier en langue. Tu peux prier en langue, il va comprendre. Tu peux prier en langue, il va comprendre. Aya de rebe, che brase maye. Ye kanara bo, si te le brado, si prade de le bo, che. Maya de le brado, si kate. Oh, ya na la ba, che mama. Tu es le seul Dieu parmi tant d'autres.
Seigneur, est-ce qu'on peut même les compter? Yahweh, 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 tu es le seul Dieu, au-dessus de tout. Et d'éternité en éternité, ton nom sera loué.
d'éternité en éternité, ton nom est et sera loué. Oh, en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est pourquoi tu es digne. C'est pourquoi, non, tu ne mérites pas, mais tu es digne. Tu ne mérites pas, mais tu es digne. À toi soit toute la gloire. À toi soit tout l'honneur. Oh, que le Seigneur vous bénisse de là où vous vous trouvez. Qu'il vous soit favorable, jour après jour, année après année, tout au long de votre vie, car il est l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous conduire dans un beau et vaste pays. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Shalom, bien-aimé, et que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse de Sion. Alléluia. Amen.